Au sommet de la position GS0 98, donc voilà le panorama et l'accès terrestre qui est verrouillé par cette position. Le seul accès terrestre qui mène vers le 4, la Frankie. Voilà, donc à partir de cet endroit, tout était verrouillé au niveau des accès à l'arrière. Voilà, donc là, un abri type VF-52 qui était complètement soufflé par une explosion. Il y avait deux pièces et le mur central. Il a volé en éclat. Voilà, première porte, deuxième porte. Et ça, c'est le mur qui a été soufflé, probablement saboté lors du départ des Allemands, avec des traces d'impact sur les murs. Cet abri conduit vers le topo pour mitrailleuse. Et voilà donc le topo pour mitrailleuse. L'accès qui se fait par la propriété privée. Donc voilà, ça c'est le second abri VF-52 qui a été soufflé par une explosion. Il y a un morceau qui a volé un petit peu plus loin, c'est le morceau du toit. Là aussi, il a pris sacrément mal. Voilà, c'était le couloir, on voit un petit peu le couloir. Voilà, le couloir qui desservait les pièces. Et il a pris un sacré chou dessus. Je pense qu'il a été saboté par les Allemands, le mur a été projeté, le mur de séparation des deux pièces a été projeté aussi. Donc le second abri VF-52 de la position LGS-098. Voilà donc le réseau tranché qui mène vers l'emplacement tourelle. Là, les piquets qui servaient à attendre le camouflage, la toile qui camouflait, qui couvrait, qui recouvrait la tourelle de Panzer en Tobruk. Voilà, on y est. Donc une tourelle de char Panzer 2 qui était montée. Voilà. Derrière la seconde édition. C'était un petit peu obstrué par la boue. Voilà. Donc on est au sommet de la position, il y a un réseau tranché. Voilà, et on arrive sur
une petite position pour mitrailleuse. Voilà. Avec un très joli panorama. Voilà. Voilà donc là une tranchée qui descend vers le dernier Tobrouk de la position qui lui prend en enfilade. Voilà, donc on a l'étang de Sigean vers le nord. Dans ce panorama là, il y a la voie ferrée et la gare de Le Cat juste à côté. Complètement comblé.